Ils ont formé l'un des couples emblématiques de la saison 14 de l'émission de M6 L'amour est dans le pré. En 2019, Laurent, candidat éleveur de brebis et de vaches en Bourgogne-Franche-Comté, repart du programme avec Maud, pétillante serveuse suisse dont il tombe sous le charme dès le speed dating. Le couple a vécu une belle histoire de 3 ans, jusqu'à ce que Laure annonce leur séparation en octobre dernier, expliquant que tous deux avaient des objectifs professionnels et privés totalement différents. Si l'agriculteur a traversé quelques moments difficiles depuis leur rupture, Maud, elle, voit leur séparation comme un nouveau départ. En témoignent ses changements capillaires, que la quarantenaire dévoile régulièrement à ses abonnés sur Instagram. Quelques jours après la fin de son histoire avec Laurent, Maud a révélé sur son compte une nouvelle coupe surprenante, adieu le carré plongeant rouge et bonjour la coupe à la garçonne. Au départ, la serveuse a jeté son dévolu sur un marron glacé égayé par quelques mèches blondes. Mais il semblerait qu'elle ait voulu encore plus se démarquer, d'après ses nouveaux clichés postés en story sur le réseau social. Maud est en effet apparue en photo dans son salon de coiffure Bel Air 25 avec une toute nouvelle couleur, un beau violet foncé. La quarantenaire a par ailleurs raccourci sa coupe en rasant ses cheveux au niveau de sa nuque et sur les côtés pour une allure plus rock. Merci les filles. Nana au top, a-t-elle écrit pour remercier les coiffeuses de son changement de tête, comme indiqué en hashtag. Supérieur à supérieur à l'amour et dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble? Laurent tente aussi un relooking de sa chambre. Question relooking, Laurent est lui aussi passé au changement. Le 20 février dernier, l'éleveur a posté sur Instagram une photo de lui assis sur son lit avec le sourire aux lèvres, très fier de montrer à ses abonnés la nouvelle décoration de sa chambre, réalisée par surprise par ses amis. Conquis, l'agriculteur de la Nièvre a indiqué en légende qu'il adore cette nouvelle déco. Cette nouvelle chambre, décorée avec un magnifique sommier en bois, un beau parquet et une peinture, chaises et jeux de drap d'un bleu profond, a ravi d'anciens participants à l'amour et dans le pré. C'est super mon lolo, oui on fait du changement dans son intérieur pour se sentir mieux. Et ça ne fait que commencer les projets et les bons moments, ont réagi Pierre et Fred du Gers dans les commentaires. C'est trop bien, tu vas te régaler là, a également commenté Vincent le Provençal. Même, Karine Le Marchand, animatrice de l'émission, y est allée de son petit commentaire, elle est super mimi. Crédit photo, capture d'écran M6.